Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux et on se retrouve donc pour cette fameuse finale d'Ultra Metronome Battle. Finale des champions. Et cette fois-ci, donc je vous le réexplique, on fait du 2 contre 2 si vous voulez, en guillemets, même si on est 3 joueurs. Et là, c'est Mathias qui se retrouve tout seul contre moi et Reva. Pour l'instant, Reva a gagné deux fois, donc une fois solo et une fois avec Mathias. Moi, j'ai tout perdu et Mathias a gagné un match du coup. Donc il y a 2 points pour elle, 0 point pour moi et 1 point pour Mathias. Donc maintenant, est-ce que Reva va tout gagner et du coup gagner ce match qui est avec moi? Donc c'est parti, on est dresseur bleu contre Mathias qui est dresseur jaune. Et donc, c'est parti. Vous pouvez saluer les gens. Coucou. Salut YouTube, j'espère que vous me soutenez. Non, bien sûr que non. Ouais, voilà, ouais. Donc là... Merci Reva. Allez, c'est parti. C'est parti. On lance les attaques. Alors déjà vous commencez. Et ça me plaît pas beaucoup. Attention. Oh non. Oui. Mais oui. Non, mais Mathias, t'as pas compris le principe en fait. Attends, Mathias, c'est on doit gagner, c'est la chaîne de Pyrux. Tu me laisses. Dernier recours, ça fait rien. Oh là là, on commence bien. C'est quoi ce tour? Le tour. Balance. Mais le tour à vide. Mais what? Mais ça va rien faire. Mais non. Tu sais, il fait quand même l'animation en mode. Mais c'est quoi ce tour à vide en fait? Attends, il y a encore. On peut sauver le truc. Aiguisage. Ah, ouais, ça va. C'est un peu bien pour vous. Quoi, voilà, on se bouge. Précision et attaque. Ouais, c'est ça. D'un cran. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on peut faire avec les canons et c'est bon. Allez. Bah, arrête, ça va pas. Ou alors, on parle le corne et c'est bon. Mais j'avoue. Glaciation. Allez, c'est parti. On y croit, Luca. Non, Pyrux peut gagner un match, ça serait bien. Estocorne. Ouais, Estocorne, le truc qu'a gagné. Oh là là. Attention. Ouais, mais c'était pas si. Ça fait. Ouais, bon, là, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Allez, mon Lucky. Allez, charge. Non. Charge, mimique. Acide. Ouais, bon, t'aurais pu au moins faire ça mieux. Empoisonne pas. Ça peut baisser la défense. Ah, oui, c'est vrai que c'est sur les deux. Oh non. Ah, ça baisse pas. Ça va, ça va. Non, c'est acide, bombe acide qui fait ça, non? Déluge plasmique, on mais sait. Mais c'est quoi cette attaque en fait? Mais je sais pas, mais ça doit être une attaque random. Non, c'est le truc d'un légendaire là, mais c'est nul. Je vois ça, y'a rien qui se passe. Est-ce que ça booste peut-être pas les attaques électriques peut-être? Oh, clonage! Mais what? Espèce d'homme. Ouais. Dans Papa Outé. Allez, on y va. Ah ouais? On lance les attaques. Allez, on lance les attaques, on parle pas. Ils font des petites taunts. Oh, taunt. Oh, la provoque, ça peut être sympa. Petite provoque, parce que quand tu fais provoque avec des métronomes, bah. Oui, je sais, mais moi je vais me péter le clown en fait. Bon, je préfère faire provoque sur celui de gauche, hein, si on pouvait. Enroulement. Ah, c'est trop bien ça. Putain, il se booste en plus. Oh, c'est trop bien ça, enroulement. Non, ça baisse ton attaque et ta défense. Non, ça augmente justement ton attaque, sa défense et sa vitesse, je crois. La vitesse, je suis pas sûr. En précision, voilà, il y a un troisième truc. Et lui, il est bien, hein, le clown derrière le clone, ça va être chaud. Ah oui, je suis très bien moi. Il triche. Tunnel. Ok. Bon, bah, si tu veux. Bon, au moins, on est protégé des attaques, hein. Imagine, il fait une attaque de. Je sais pas s'il y a pas par défaut. Non, ça touche le deuxième par défaut. Racocharge. Sur le clone. Quoi qu'il est boosté, hein. Ah ouais. Allez, ça peut enlever le clone, comme il peut le garder. Hein. Critique. Yes. Oui. Bah avec le critique, ouais, tu m'étonnes. Allez. Plus clone, on le calme. Je veux gagner au moins un match, s'il vous plaît. L'ensoleil. Aïe. Bah, ça va, on a. Et là, j'ai l'herbe blanche. J'étais totalement brain depuis le début. Il a triché. Ça fait mal, hein, ça va faire mal. Celui qui ressort, ou peu importe. Tunnel sur. Ouais, il aurait pu attendre sur quand celui, même. Ça. Ah, pas mal. Ok. Ça fait ses dégâts. Ouais. Bon, allez, il est temps d'attaquer maintenant. Allez, Lucky. Ouais. Oh ah, non. Avec l'augmentation d'attaque, ça va faire mal. Oh putain, ça fait trop mal. Mais il en fallait au moins une. Mais on se met. En vrai, il y a le lance-soleil derrière. En vrai, il se met pas si mal. Voilà, lance-soleil, ça va en être. Je crois que ça va en tuer. Hein. Donc au final. Non, je suis pas sûr que ça tue, moi. Oh là 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 là. C'est légèrement avantageux pour nous, mais légèrement. Quoique. Attends. On doit encore attaquer, c'est ça? Coup de crâne, ça va augmenter votre défense du coup. Mais on attaque au tour suivant. Ouais, si on gagne la speed time. Et c'est tout. Ok, bon. Bon. C'est mitigé, je dirais, mais il fallait que ça arrive, destruction. Non, mais tu sais ouais, que. Ouais, fallait si... que ça arrive au moins une fois. Fallait ouais. Le faire, genre, mais... tu sais que s'il si gagne la speed time avec les deux et qu'il nous touche, on a mort. Ouais, je sais, non, genre. Une catastrophe. Oui, bon. Essaye de dire qu'il fait mimiqueux et tranquille. Ah, oh, c'est bon, on attaque. Sur celui qui a plus de vie. Oh oui! Yes! C'est pas possible! Mais c'est bien! C'est pas possible! Ça fut magnifique! C'est bon, tu remontes dans mon estime. Baston, oh, c'est mieux! C'est efficace, c'est efficace! Pyrux va peut-être gagner son premier match! Allez! J'y crois! Bah oui, là tu peux croire! Attends, y'a le retournement de situation qui t'imagine, explosion et danse lune! Destruction! Et là on casse-brique quoi! Non, moi le destruction! Ah! Ça va même pas le tuer! Ouais. Terrible. Genre lui il fait danse lune et lui il fait destruction. Et du coup on peut. Bah non, s'il fait danse lune en premier. Bah il sacrifie en fait. Ouais, en fait là faudrait que je fasse. Non mais lui, notre. Ah je pensais que tu parlais dans le tunnel. Bah non, lui forcément c'est lui. Boost. C'est très utile. Non, parce qu'il est mort là, celui qui a été. Ouais.
Bon là ce match est à sens unique. On peut le dire. On peut le pour dire. Pour l'instant. Dégommage. Et dégommage, ce qui ne sert à rien, on n'a pas d'objet. Non, malheureusement. J'ai pas mis d'objet. Attends, allez, tue au moins. Non mais de toute façon avec les normazélis ça aurait pas. Mais oui. Oh, oh. Il l'a fait sur les deux ou un des deux? Parce que tu... Non, ça va marcher sur les deux. Bah switch. Bah non, puisque ça va faire pareil. Mais non, juste... Ah oui. Oh non. Non, ça fait seulement sur ceux qu'il a fait, je crois. Non, non, non. Si, 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 pas sur ce qui va arriver. Non, pas sur ce qui va arriver. Personne. Personne. C'est, les... c'est les attaques qui, que les autres bah ont. Bah oui, il y a la raison. Oh non. Oh non. Oh non. On va faire le feu. Non mais, je crois que t'as pas compris le principe, en fait. Hein. Encore. Oh, il est énorme ce match en fait. Bon, ceci dit, j'ai quand même perdu. Non, 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 si, non, non, ça on perd 25% de vie. Bah oui, mais bon, au tour suivant, je suis bloqué avec Raphaël. On perd 25% de vie à chaque attaque. Donc, on attaque 4 fois, on est mort en gros. Et là, tu oui, mais, oui, mais il est pas sur le terrain celui-là. Il était pas sur le terrain, il est pas possessif, a été lancé. Ah, donc ça marche pas sur lui. Non, parle pas sur lui. On verra. Non, mais c'est sûr. Non, ça marche possessif. Sérieux? Oui. Oh non! Mais oui! Oh putain, ah, mais c'est les capacités qu'on a en commun! Ah, mais je croyais que possessif, en fait, celui qui entendait pas possessif. Non. Oh non! Ah d'accord, ok. Oh non, du coup, on a perdu, je pense. Non, bah ça dépend. Ça dépend de ce qu'il parce va faire. Parce que c'est jusqu'à la fin du match, non? Ouais. Mais non, le possessif il se casse au bout d'un moment, non? Non. Regarde ça. On a perdu. On a perdu. Non, non, ça dépend ce qu'il fait, ça dépend ce qu'il fait. Oui, mais il doit faire destruction, ça dépend ce lune. Oh putain, si elle fait ça avant, on aurait pu switch. On aurait pu faire des switch, tu vois, pour gagner du temps. Ah mais ça va être chaud quand même la fin, hein. Parce que là vous avez encore droit à une lutte, hein. Vous avez droit à une lutte encore, hein. Ça passe ou ça casse en fait. Vas-y, vas-y, fais. Bah là c'est... Un petit coup critique. Ça peut coup critique. Non, non, lutte ça peut pas coup critique. On perd 44 vies, donc on perd au prochain tour. On est mort au prochain tour. Oh, c'est bon, il nous a tué. Oh le retournement de situation, le fou. Attendez, parce que si moi lutte, je suis, ça peut coup critique ou pas? Non, lutte, c'est sûr que ça peut pas coup critique, j'en suis certain. Mais 21 PV, j'ai pas calculé si c'était suffisant pour que je tienne. On sait pas. Roulement de tambour. Oh non, bon, j'ai gagné la speed tie. Ah ouais, mais attendez. Ah, on a même pas le roulement de tambour. Rebond. Du coup, je serais pas touché par la lutte. Ah, mais du coup, on va faire lutte dans le vent et ah, on va se taper. Et on va perdre. Ouais. Ah oui, du coup, j'évite. Du coup, vous prenez pas les dégâts. Attends, si on évite rebond. Ouais, si on évite rebond, on a une chance. Attends, le réclame il fait comment? Non, c'est bon. Oh putain. Oh là là. Mais ce match, le mal. Mais de toute façon, on est premier ex aequo, donc on va jouer. Toi, c'est bien, t'es premier, t'as gagné. Voilà, bon, on a terminé. Possessif, possessif, la meilleure attaque du jeu. Alors, moi, par contre, j'ai appris un truc parce que je savais vraiment pas que possessif. Ceux qui n'étaient pas sur le terrain pouvaient quand même être concernés par possession. Ouais, c'est trop pété. En fait, c'est comme si c'était quelque chose d'universel. Alors que je pensais que c'était un petit peu comme une attaque sonore. Ouais. Enfin, pas une attaque sonore, mais que ça concernait que ceux qui étaient sur le terrain. Du coup, bah voilà, ça s'est terminé là-dessus. Oh, je suis trop dégueu. Ah, je suis très content là. Oh putain. Ah, cette vidéo est formidable. Bon, ça aurait été cool qu'on puisse faire lutte, tu sais, pour voir si. Tu vois, on aurait vu le. Bon, il a fait rebond, ça a gâché le truc, mais. Prank, il utilise possessif, ça tourne mal. C'est pire que provoque. Mais trop. Ah putain, ça abuse. C'est ça ton titre de vidéo. Ah oui, c'est quoi? C'est la finale prank, il utilise possessif et ça tourne mal. Ah ouais, trop bien. On va mettre ça, ils vont m'insulter. Bref, on sait pas qui a eu l'idée en plus. On se laisse là-dessus. C'est terrible. Ils l'ont entendu. Ah, on se laisse là-dessus. J'espère bien. Arrêtez de parler. On se laisse là-dessus donc, du coup, on se retrouve peut-être pour d'autres Metronome Battle avec Reva sûrement, parce que bon, Remetchas il va retrouver sa contrée lointaine. Et du coup, voilà, c'était un plaisir de perdre 3 Metronome Battle de suite. Et c'était un plaisir de gagner. Reva est donc la grande gagnante. Gagné tous les Metronome Battle, voilà. Donc, non, celui-là j'ai perdu. Ah non, c'est vrai. Du coup, j'ai que deux. Du coup, elle gagne parce que c'est une fille. T'es une fille, voilà. Je pense que c'est ça. Tu peux dire que j'ai des seins aussi. Mais c'est la même chose. Bah non, c'est le principe. Bref, ciao ciao à tous, c'était Perux. Ciao ciao. Ciao. Ciao.